Voici le modèle N6 de chez Washburn, modèle N6 pour Nuno Bettencourt, qui est un guitariste américain qui depuis plus de 20 ans collabore avec Washburn pour réaliser ses modèles custom shop. Donc on va essayer ce modèle vraiment particulier avec une super table tout en inox, donc on va regarder ça un peu plus près dans ce test. Concernant l'équipement de cette guitare N6 de chez Washburn, elle est équipée d'un corps tout en old massif, d'un vibrato à blocage type Floyd Rose de marque Schaller, de micros Seymour Duncan SL1 et JB. On peut remarquer aussi qu'elle possède une belle plaque tout en alu anodisée. Et au niveau design, c'est une coupe Stephen Cutaway. Côté manche, cette N6 est équipée d'un manche en érable moucheté, donc assez plat dessus. En D, une touche rapportée aussi en érable moucheté, 22 cases, une tête inversée, qui nous rappelle un peu une guitare de Jimi Hendrix, et deux mécaniques de chez Grover, 18-1. Donc, comme vous avez pu le voir au niveau saturation, le micro Seymour Duncan, pas de soucis, il arrache, quoi, il déboîte bien, donc c'est très efficace. Donc là j'étais en son crunch, sur le micro manche, donc son super chaleureux, ça sonne bien. Je vais essayer la même chose sur le micro chevalet pour voir ce que ça donne. Donc, à mon avis, il y aura beaucoup plus de patates, c'est logique. Donc, vraiment un super son crunch, très chaleureux. J'apprécie vraiment cette guitare avec ce type de micro. Donc le son clair, super, fantastique. Ça sonne une fois de plus, hein, micro Seymour Duncan, donc il n'y a pas de souci. Ça a de la patate, tout en restant précis. Ça baffe pas, donc moi j'apprécie vraiment cette guitare au niveau son clair. Ok, je vais tester le vibrato. Souvent, on néglige un peu ça dans les tests, donc je vais un peu voir ce qu'il a dans le ventre. Je vais d'abord regarder la tenue de l'accord. Rien à dire, ça tient l'accord. Donc cette guitare est équipée d'un système Buzz Phaeton, qui est un système conçu en fait pour vraiment maintenir tout à fait le réglage de la guitare au niveau des cordes, donc pas de souci, ça marche bien. Donc en conclusion, ce modèle N6 de chez Washburn est très agréable au niveau du jeu. Très bon vibrato, très bon micro de chez Seymour Duncan. Manche très agréable. À noter quand même un petit hic, c'est toujours pareil, hein, je remarque sur ces modèles-là. Donc le réglage d'usine est un peu haut au niveau des cordes, mais bon, vous pouvez faire, je pense, votre réglage pour du jeu un peu plus shred. Donc amis guitaristes, foncez l'essayer.